ce maillot de bain est magnifique. Tu seras trop belle au bord de l'eau. Parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Enregistrons un triftrophe pour immortaliser ce moment. Oh non, il manque mon chapeau. Alex, Emily, allez, on y va, on part à la piscine. Il fait très chaud. On arrive, maman. Vous avez vu comme il m'a jeté? Oh. Oh, la carte magique! On dirait que le signal vient du Mexique. Oh non, l'alarme vient de Chichen Itza. On va appeler notre amie du Mexique, Camila. Elle doit sûrement savoir ce qui se passe. Oh, vous avez appelé. On a besoin de toutes les troquises. Ici, il se passe quelque chose d'étrange. Salut, Camila. Oui, la carte magique nous a avertis. Qu'est-ce qui se passe? Ici, dans le temple de Kukulkan, une des 7 merveilles du monde. Il fait trop chaud, les oiseaux ont fui, les fleurs et les arbres se fanent. Et le pire, c'est que le temple est en train de s'effondrer. Nous avons besoin de vous maintenant, ahorita. Ne t'inquiète pas, Camila. Nous serons là en un claquement de doigts. Allez, les trottises. Partout et toujours, la Pinky Promise nous guidera. J'exagère avec toutes ces affaires dans mon sac. Hé, les filles, quelle joie de vous avoir ici. Même si je suis un peu triste. Vous voyez ce qui se passe? Les serpents à plumes qui gardent le temple grâce à leur magie se sont échappés. D'après ce que je sais, ils sont allés au cénote sacré. Sinon, quoi? Vous ne savez pas ce que c'est, le cénote sacré? Oui, d'accord. Dis-nous, Camila. Les cénotes sacrés, également connus sous le nom de cénote Ikkil, est un endroit magnifique aux eaux cristallines où vivait Chak, le dieu de la pluie. On peut se baigner? J'ai aussi apporté mon maillot de bain. Non, Sophie, on a juste le temps d'aller convaincre les serpents à plumes de revenir ici et de régler ce problème. C'est l'heure de la limousine. Limo! Cool, la limousine à la clim. Ils peuvent bien se cacher, ces serpents. C'est vraiment pas bien de leur part d'avoir quitté le temple. Requin, requin! Non, ne t'inquiète pas, ce doit être les serpents à plumes. Regardez leur tête. Mia, ils arrêtent pas de nous fixer et j'ai un peu peur. Tu peux leur parler? Oh, ne t'inquiète pas, les serpents à plumes veulent juste être nos amis. Lorsqu'il fait très chaud, les serpents viennent au cénote sacré pour être près de l'eau et faire la danse de la pluie. Mais cette année, les températures sont si élevées qu'ils préfèrent rester dans l'eau bien fraîche. Je les comprends tellement. Ils disent qu'il fait si chaud que les arbres et les fleurs se sont desséchés et qu'ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Oh, mais on peut les aider. Nous sommes de bonnes danseuses. Bonne idée, Emma. Je pense que je sais comment on peut faire. Allons-y. Le temple ne résistera pas longtemps. Oh, Camila, j'adore ta tenue. Les filles, nous n'avons pas le temps. Serpent, Camila, commencez la danse de la pluie. Nous suivons vos pas. Bien sûr, mais pour commencer la danse, il doit y avoir un nuage. Tu peux mettre ton maillot de bain. J'ai plus envie maintenant. Hey, si on enregistrait un triftrove avec cette danse? Emma, quelle super idée! Les trottises, ready pour move your body! Les filles, je voudrais pas gâcher ce moment, mais on n'a pas le temps. Emily va bientôt rentrer. Oh. Les trottises, il a commencé à pleuvoir et on voit un arc-en-ciel. C'est bizarre. Pourquoi vous êtes toutes mouillées? Maman, il y a une fuite dans ma chambre. Mes trottises sont trempées. Magnifique. Je savais que tu aimerais, Sophie. Oh, on a sonné à la porte. Ça doit être mamie. Maman m'a dit qu'elle viendrait aujourd'hui. À plus tard, les filles. Vous êtes trop belles. Je sais pas, je pense que je devrais porter des lunettes comme toi, Lucie.
Je vois rien. Prends-les si tu veux, mais je ne pense pas que ça résoudra le problème. Ah ? La carte magique ! Oh, il se passe quoi à Paris ? Alors, laissez-moi vous dire, de ce que je peux voir, il y a un problème avec un musée. Ce musée est à Paris et s'appelle... Lucie, on sait que tu sais tout, mais Paris, c'est ma ville. Ce musée s'appelle le Louvre et il est à Paris, très proche d'un grand fleuve appelé la Seine. Oh, quelle fille sérieuse! Je n'en crois pas mes yeux. C'est l'une des peintures les plus importantes au monde, la Mona Lisa. Mais... Elle n'a jamais été sérieuse, elle a perdu son sourire. On doit y aller pour l'aider. Ne t'inquiète pas, Sophie, allons-y maintenant. Partout et toujours, la Pinky Promesse nous guidera. Ça, c'est une grande tour. Oui, cette tour s'appelle E.O. Bien, vas-y, explique. Merci, Lucie. Oui, cette tour, c'est la Tour Eiffel. Et tu peux la voir de n'importe quel point de Paris. Et donc, on peut voir le Louvre d'où on est, non? Oui, il est là, pas loin d'ici. Allons-y, on peut prendre le bateau pour descendre la Seine. Elle a l'air encore plus sérieuse. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu te tiens devant Mona Lisa, une peinture de Léonard de Vinci. Et elle n'a jamais été aussi sérieuse. D'habitude, elle sourit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mona Lisa? Sono stanca di essere qui per così tanti anni. 500 anni. Voglio un po' di distrazione. Elle dit qu'elle s'ennuie. Elle a passé plus de 500 ans assise ici et veut pouvoir s'amuser. Juste un petit peu. Compris. Il y a ici à Paris l'un des plus merveilleux parcs d'attractions du monde. Je crois qu'elle va adorer. Ça semble être une bonne idée. Mais comment aller dans ce parc d'attractions avec une peinture? Si, la peinture reste. Mona Lisa, elle, vient avec nous. Bienvenue, Mona Lisa. Maintenant que tout le monde est là, allons au parc d'attractions. Regardez les filles, on l'a fait. La Mona Lisa s'amuse tellement qu'elle sourit à nouveau. Yeah! Oh, les filles, je suis désolée, mais nous allons devoir rentrer. Émilie sera de retour bientôt dans sa chambre. Oh! Super, c'est tout bon. La Mona Lisa est dans sa peinture et son sourire est de retour. Tout est rentré dans l'ordre. Allons-y. Maintenant, il faut dormir. Demain sera une grosse journée. Mamie m'a promis qu'on irait au parc d'attractions. J'espère que je pourrai vous emmener.